nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Et coucou les Vivouxels, bienvenue dans l'épisode numéro 154 du Stealth Project. On n'a pas pu sauvegarder, bien qu'on soit fatigué. On n'a pas sauvegardé depuis un moment, donc on va essayer d'être prudent, d'être safe, surtout d'être, précis. Et voilà, espérons que ça se passe bien. Donc je scout au SVAV pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Ok. Il est tombé. C'est quoi ? Plus rien. Oh non, attends merde, y'a le mec au lance-roquette. Oh là là. Lui, il faut que je le sorte très très vite. C'est bon. Mais... Bon, on change parce que... Elle m'énerve celle-là. Je sais même plus comment on y va sur le bateau. Il y en a un derrière là-bas aussi. Mais... Ils ont des courses cheloues en vrai les mecs. Y'a rien de ce côté comme lit? Si! Peut-être! Non, toujours pas. Non, on peut pas dormir dans ces lits-là. Hein. Comme ils ont foutu du bordel dessus. Oh! C'est contraignant, je sais bien que t'aimes décrire les chemins de fer et de cul, mais tout de même. Par rapport à quoi? Ah, par rapport au fait que j'étais en retard sur le stream? C'est drôle ça, Isidon. Bravo. Ça critique les fonctionnaires. Ah si, je sais comment on y va, c'est bon. J'avais oublié. Charles Aznavour est mort apparemment. C'est pas ma génération ni rien, mais... Je sais que ma grand-mère, elle aimait bien maman aussi. Je connais certaines de ses chansons et moi j'aime bien. Donc hommage à lui et... Voilà, repose en paix, petit monsieur. Elle est où cette putain de lampe? Ferme-la, toi. Et au moment, une lampe a cru qu'elle avait le droit de parler. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'on peut sauvegarder dedans. Pas qu'il y a un lit dedans, à l'intérieur. Je voulais pas les mêmes têtes, je sais pas pourquoi je les ai pris.
là niveau poids, bon, on cramera un steak de gazelle si besoin. Hein. Mais ça fait chier de cramer ça juste parce qu'il y a la fatigue en fait. Disons que les steaks de gazelle, on n'en a pas en illimité puisque maintenant il n'y a plus de gazelle. On va pouvoir se regarder. Ça c'est bien. Ok, donc on va pouvoir dormir. En plus, il y a un lit, il y a un lit de 8 heures. Donc ça c'est nice. Ok, porc haricot et du crame. Je sais toujours pas ce que c'est le crame en vrai. Ça doit être une espèce de, je sais pas, un truc américain. Quelqu'un sait ce que c'est le crame en vrai? Bon, on va sauvegarder à cet étage et puis on montera après. Du coup. Ah, il y a encore des ennemis à proximité, ok. On va la jouer safe et on descendra. Ah, pareil, ok. Bah, c'est là le mec qui est sur le toit en fait. Celui avec son armure assistée là. Ah oui, il y avait un Fatman lui carrément, c'était même pas un lance-roquette, c'était un Fatman. Oh! Mais je l'avais jamais trouvé lui. Bingo. Alors qu'on est déjà venu. Donc encore un peu plus de furtivité. Nice! Bah ce soir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas récupéré des bonus de furtivité en dehors d'un loot caméléon. Et bien ça fait plaisir. C'est qui ça qui est encore mort? Encore un mec que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? En vrai Ice, je trouve pas que ce soit si dissident que ça moi. Attendez, on va essayer de pas aller trop vite. Parce que j'ai envie de garder les points d'action. Là, je vais pas cramer un steak de gazelle alors qu'il y a des lits. Donc on va faire juste doucement. Sauf que je sais pas vraiment par où on monte. Par là. Par l'escalier en fait. J'avance à mini pas quoi. Bon, c'est pratique de pouvoir se déplacer quand même, même en surcharge. Ouais, y a des lits partout. Il va juste falloir enculer le game là-haut. Et ce sera très bien. Mais c'est bizarre, enfin, du point de vue de la verticalité, je trouve ça très très chiant qu'on puisse pas dormir à cause de la verticalité de certains. Ouais, en fait, voilà, c'est ça qui est débile. Là, comme c'est une zone annexe instanciée, on peut dormir sans aucun problème. C'est débile. Terminal de Gabriel. Bon, ça on l'avait déjà lu a priori. Hein. Non, on l'avait déjà lu. Lors de la quête concernant cet Olibrius. Non, mais là par contre. Comment ça se fait que je peux porter si peu de trucs moi? Je sais pas. C'est bizarre quand même cette histoire.
Ah, faut dire qu'on en a du bordel quand même. Hein. Mais 285, ça me semble bizarre comme, comme poids max là. Voyons là. On est toujours à 285. Bon, je sais pas, c'est bizarre. C'est par où déjà qu'on monte? D'instance, bah, tu vois ce que je veux dire, Ice. C'est pas instancié, c'est genre à part. Enfin, t'as très bien compris ce que je voulais dire. Qui est là? T'es à moi, Minus. Bah, c'est complètement con le fait il a soulevé depuis en bas tout à l'heure. Oh, mais elle est tombée en plus. Je vais même pas pouvoir la loot. Elle est tombée juste là, ça va. Ok. Mais comment ça se fait que je peux porter si peu? Parce que là, c'est avec un rat de serre quoi. Donc là, il y a un truc que je piche pas. Bref, ouais, c'est un. Ah non, là c'était full foireur. Bon, du coup, on va se casser. Hop, on est bon pour ici. On a des mecs de la confrérie de l'acier à buter en passant. Donc ça, on l'a faite. Et on va mettre ça en point de focus. Ok. Mais ouais, non, c'était c'est chiant, quoi. Enfin, genre... Je sais pas pourquoi, là, je peux porter moins de choses. Que j'ai pas moins de force, au contraire, enfin j'ai mon terrain d'acier et tout ça. Ok, là je suis un animal. Par contre. Je sais pas, c'est bizarre. Ça devrait pas être long. What? Je suis pas mis dans la merde, moi, genre. Personne. Pour le. Là, j'avoue que. Pour les trucs à porter, je sais pas ce qui se passe. Enfin, pour le poids. C'est par où la sortie déjà? Là-bas et la sortie, bon, on va rejoindre par la plage, hein. Tant pis, du direct, sinon ça va lui faire parler pour l'ascenseur à New Carol, il trouvera jamais. C'est pas bizarre, t'es juste un blaireau. Bah je sais pas. Non, non, je me suis coincé. Non, c'est bon. Bah là je vois pas ce qui fait que voilà. T'es persuadé de l'avoir viré. Bah attends. Là j'ai 7 armes en plus, celle-là pardon. Ah j'ai ça. Bah mais non c'est 3 kilos. Et ça c'est 2 kilos. Au niveau des tenues, j'ai rien de plus.
Mais en fait, si tu veux, c'est surtout le fait d'être à seulement 285 qui me perturbe. Donc, ah, si tu sais, dis-moi, hein, mais. T'as pas l'impression qu'il y a un TPR qui marche plus? Ah putain! Bien joué, Ice. Ouais, comme il y a l'autre connard de synthétique chasseur là qui est venu avec moi, j'ai Nomade solitaire qui marche plus. Bien vu, Ice. Ah, j'aurais pas pensé du tout. Ça se ressent sur les dégâts pris aussi. Hein. Ah, mais effectivement. J'espère qu'il va me lâcher la grappe, ce con. Comment je peux le virer? Tu vas virer tout à l'heure, tu vas viser. Oui, non, mais je sais, mais je pensais que. Enfin, j'y pensais plus en fait. Faut faire parler pour le virer. Il va venir avec moi de toute façon. Il est là. Hey, de quoi vous avez. Oui. Il est temps de nous séparer. Je serai prêt si mais vous avez. Mais qu'est-ce qu'il foutait là déjà? On va à l'allée du pendu avec Preston. On mettra tous les noirs ensemble. Quoi? Non, j'ai pas dit ça, hein. Vraiment. Ça va mieux. On a regagné 100 de poids. 100! Alors, bien sûr, on a un steak qui tourne, mais on a gagné 100 de poids. Quand même! C'est ouf le... Enfin, prenez pas de compagnon. Ouais, si, parce que dans l'absolu, ils peuvent porter 125, mais. C'est pas une raison. Sauf Strong qui peut porter 200. Mais c'est pas une raison. Si vous jouez furtif, prenez pas des copains. C'est tout. Non, mais là, j'avoue. Voilà, le gros noob est mérité, Ice. Voilà, je vais même pas chercher à me défendre ni rien. Là, on part sur un bail où. Il y a un danger, alors je viens de sauvegarder quand même. Mais danger de quoi, putain? Oui, ça l'est pour toi, celle-là. Je suis caché, très bien. Sauf Deacon. Même Deacon. Deacon, son lore est sympa. Enfin, tous les lores sont sympas, en vrai. Moi, mon lore préféré, c'est celui de Kate. Que je trouve vraiment cool. Mais, on est d'accord que les récupérateurs, quand je vais les voir, après ils sont pas gentils. Pardon. Ouais. Ouais, il a pas l'air méchant lui. Attention aux flics qui avaient comment ça. Ah au fixe, je sais plus lire en fait, c'est pour ça. Pourquoi j'ai deux putains de points sur ma carte? Parce qu'il doit y avoir plusieurs patrouilles de la confrérie, ok. Okay.
Je pense pas qu'il soit au-dessus de moi. Les mecs, ils ont l'armure assistée, c'est cheaté. Ils ont une portée de détection qui est juste improbable. En plus, ils sont vraiment groupés, ces fils d'op. Hein. Bon. Bon, bah, désolé pour ce fail. Ce soir, on meurt beaucoup. Hein. Enfin, ça fait deux fois en trois épisodes. C'est... non. Là, c'est un non négatif. Et c'est le gros fail, ouais. Chaque nouveau numéro du magazine des aventures ajoute un nouvel aptitude, ok. Hop. Donc on est reparti. Le lancer mis sera peut-être mieux en vrai. Puis on va essayer de passer par une route un peu différente. Je sais pas. Suis ton instinct. Oh, mon instinct, c'est de la merde. Quoique. Ouais, il faudrait que j'arrive à one shot le mec en armure assistée. Voilà. En fait, c'est lui le vrai problème avec la détection, j'imagine, de l'armure. Ouais, ça doit être la lampe frontale, en fait, qui fait chier. Je sais pas. Je ne sais pas. Y'a pas des... comment ça s'appelle ? Des réacteurs à fusion normalement dans les armures ? Y'a encore les pierres hein ? Vas-y, ils vont me donner mal à la tête ici. Là 100% y'a les pierres ici. Hein. Ouais, y'a les pierres derrière. Je pense hein. Non? Après on les a tués il y a très peu de temps. Maintenant tu mets ce mec en pièce détachée. La caravane passe dans 15 minutes. Non. Ok, on a deux quêtes à rendre au réseau du rail. Est-ce que on va au réseau du rail direct ou est-ce que vous voulez qu'on tente celle-là? Parce que de toute façon, enfin, on peut passer au réseau du rail, c'est sur la route. Hein. Donc quoi qu'il, on va au réseau du rail. On a deux quêtes à y valider. Et 3 quêtes, comment ça 3 quêtes? Ah non, pas, oui, non, ou Carrington, non, mais c'était con. On va au RDR, et puis vous me dites si vous voulez qu'on aille au GNN ou pas, mais vu que c'est près de la mer Lumi, je pense que en plus c'est des artilleurs, ça peut être un bon challenge. Et tant qu'on est dans le Commonwealth, je pense autant tout faire.
Et après on repart vers New 4 Uncles. T'as les quêtes secrètes, rejeter le fondement de Carrington. Oui, non, voilà. Donc non. Mais on a une quête auprès de Pam, une quête auprès de DSD, donc on va faire les deux. Et voilà. Et du coup j'ai cramé un steak de rat de serre et j'ai eu du nez parce que un steak de gazelle juste pour l'histoire du compagnon je me serais vraiment je m'en serais voulu. Bon je pense qu'on a déjà récupéré les holobandes et tout ça ici. J'espère. Emprunté par l'agent Graham de la police de Boston, envoyé à l'agent Doyle. Ah bon, en fait, ils en ont aucun ici, très bien. Donc, on n'a pas pu les récupérer du coup. Je pense qu'à force, je vais prendre le perk, ce qui fait que t'as plus de radiation quand tu nages. C'est juste trop chiant. Vous avez vu ce que j'ai pris là? Heureusement que Carrington va pouvoir me soigner. Ce bon vieux Carrington. Bon. Et re Dasganon. Bon, ça va nous faire un peu d'XP. Enfin, un peu. Je pense que ça va vraiment pas faire beaucoup d'XP. Parce que c'est des quêtes annexes et que répétables en plus. Donc, voilà. Cependant, ça peut être un très bon moyen de farmer l'XP quand vous vous associez avec. Quand la RDR est encore vivante. Il y a une quête à faire comme ça qui est juste complètement broken, je crois. Et où en fait vous pouvez spawn kill la quête et la faire en boucle, vous avez juste un écran de chargement à chaque fois. Vous avez des tutos sur YouTube, Free Farm XP machin et boule, mais bon c'est pas intéressant du coup. Mais là dans les quêtes répétables, moi ce que j'aime bien c'est que elles nous permettent de découvrir des lieux. Là vous l'avez vu avec la carrière par exemple. Les quêtes annexes je les trouve vraiment cool pour ça dans Fallout. C'est à dire que tu peux être libre d'explorer. Moi dans ma première partie j'ai scavenge tout le Commonwealth. Je voulais tout découvrir, je voulais tout ramasser, tout recycler, avoir plein de trucs pour mes colonies et tout. Qu'est-ce qu'il veut Tam Tam? Pam veut vous voir. Elle m'a dit pourquoi mais j'ai okay. Franchement rien compris. Une autre quête de Pam. Donc ouais j'ai scavenge vraiment tout le Commonwealth. Et ça m'a donné plein de ressources. Tout ça pour mes colonies et tout ça. Mais je me suis dit je vais jouer charisme. Donc j'ai besoin de ressources. Mais si tu fais juste tous tes quêtes. Ces sacrifices, ces vies, ça n'aura pas été vain. J'ai réglé son compte à Maude. En faisant assez. Et elle et elle n'ont pas inventé la poudre. Mais ils bon, des fois, des quêtes te ramènent au même endroit, mais c'est pas grave ça. Après eux. Dès que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir. Elle a pas d'autres quêtes? Ah si, 472 d'XP quand même. Notre victoire. Rien n'aurait été possible. Ah ouais, mais ça doit pas, elle doit pas être répétable à l'infini, celle de DSD. Vous êtes là pour vous faire soigner, j'imagine. La patrouille de la confrérie a été éradiquée. Recherche de cible additionnelle de la confrérie. Ça dépend du roleplay que tu veux, Desgalan. Dans l'attente de la confirmation de leurs coordonnées, les services de l'agent ne sont plus requis. Pam. Les capteurs visuels identifient la variable insaisissable. Un rapport fiable signale la présence d'un chasseur dans le lieu cible. La variable insaisissable devrait l'éliminer. Pas mal d'XP quand même. Je suis content. University Point. C'est loin de ouf, University Point, en plus d'ici. Quoique, c'est sur la route pour aller au GNN. Ça se goupille bien. Ok. Mais on va faire ça comme ça. Donc Carrington il va nous soigner. Hey, Carrington. Vous êtes là pour vous dernière quête que j'ai fait, j'ai kill les trois factions. Dès que j'ai pu rentrer dans l'institut pour récupérer le sérum de Virgil.
Soignez-moi, docteur. Expliquez-moi ce que vous ressentez. Je me sens pas bien. C'est très RP du coup. C'est terminé. D'autres soucis? J'ai juste. Ok, donc là, on va être soigné. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez me parler? Ce sera tout. Très bien. Mais ne sabotez pas tout mon travail en vous faisant tuer. Et donc, Death, elle a pas d'autre quête. Desdemona. La fin est proche. La fin du monde. Genre, la meuf pète un câble, tu sais. Hop. Bon, on sauvegarde. On va bouger du coup vers University Point. Ensuite, on poussera jusqu'au GNN. Là, je veux dire, c'est un signe du destin. On a deux quêtes très au sud dans la même direction. Je pense qu'il faut y aller. Tu sais ce que je veux dire? Pam estime qu'il faudra des années pour faire sortir tous les synthétiques du Commonwealth, sains et saufs. Non, Ace. Je ne le hookerai pas car il est pratique. Référence Dora l'exploratrice, vous l'avez? La Dora la Junkie. Pardon, j'avais lagué. Oui. Mais je vois pas du tout ce que c'est. J'ai une Pokémon rouge. Hein? C'est Pokémon rouge? Oui. Pour combien? Moi je vais pas plus de 5 pour ça. En plus j'en ai pas besoin en fait. Ah, c'est la ref, c'est bon. Faudra qu'on regarde la tête reposée, Minou. Donc du coup, direction University Point. Et puis on verra où est-ce qu'on en est au niveau du timing. Est-ce qu'on poursuit directement jusqu'au GNN ou pas? Mais j'avoue, comme ça, là, j'ai aucune idée de ce qu'est le GNN. GNN. Tu dates un petit chien? La bourbière, envoyer des provisions. On est parti. Je vois pas du tout, mais on regardera après. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Sur Fallout 76, je me demande si ce sera possible de poser une mine au sol juste avant de quitter un bâtiment. Faut penser aux autres joueurs. A priori, on pourra faire ce genre de saloperie. C'est là quelque part tout le plaisir de Fallout 76. Mais... Faut être en compte ce truc. Ok, il y a des francs jeux là. Y'a pas une vitre genre entre les deux là? Non, y'a pas de vitre. Ok. Ta gueule. Allez, je suis pas les timides. J'ai raté ce shot, vraiment. Merde, c'était quoi ça? Bon.
toi. Opérateur gaspilleur, d'accord. Et ça va être des super mutants là-haut. Ah, c'est des artilleurs, ok. Enfin, les artilleurs ont tellement de résistance. Regardez ça. Ça représente tellement d'XP aussi. Hein. On va aller voir ce qu'il a lui. Ça sent le synthétique là. Ah non, il y a encore un capitaine des artilleurs, ok. Manière forte, hein. Ça me va. Ok, il est full bug le mec. Il est full bug. Je vais quand même pas être obligé de le tuer. Tu vas Ça va faire mal. J'espérais que vous reviendriez. Qui? Attends, what, j'ai pas signé pour ça du tout, hein. En fait, il les avait pas du tout butés. Tu vas crever. Chance de faire vaciller la cible à l'impact. Ouais, j'ai bien senti ça. Putain, le nombre de trucs qu'il y a dans ce sac. J'imagine. Bon, il est où le mec? Il est là. Ok, c'est de la merde. En plus. Bon. On va manger et on continue. Let's go. A chaque fois dans ce quartier, il y a des guérillas, c'est un délire. Et direction University Point. Ici chez les artilleurs encore. T'as pas le droit de crever.
Le caméléon, ça carré là quand même. Oh. Eh, en vrai, mais c'est même plus marrant. C'est juste plus marrant du tout. Enfin genre, pourquoi j'ai pas ça sur des 9mm? C'est mon quatrième fusil de coup au radium, alors que c'est le bonus légendaire d'arme le plus rare. Mais j'en ai marre. Parce que c'est même plus marrant en fait là. Je veux ça sur du 9mm ou du 10mm, pardon. Oh, je veux ouais. pas ça sur ça. Ça n'a pas de sens. Fais voir ta gueule. Allez, joue pas les timides. Lui il est là. Non? Non. Ah, ils sont en haut alors. Ok. Osef. Putain, mais le deux coups. J'en ai combien des deux coups sans deck? Shotgun explosif. Shotgun explosif, c'est bien fumé aussi. Hein. Oh. Qu'est-ce qu'ils font eux? Excusez-moi. Oui. J'avoue que c'est sympa d'avoir de la compagnie qui essaie pas de me faire la peau. Ça change. Excusez-moi. Il fait pas chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont là, eux? Atom t'envoie un message, tu dois répondre sa bonne parole radioactive au fusil avec un fusil au radium. Mais j'en ai déjà un! J'en ai déjà un que je porte sur moi! C'est juste qu'à un moment donné, je peux pas. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Je vais pas passer ma vie à craft un nouveau fusil au radium à chaque fois! Alors qu'au final, une fois amélioré, ils seront tous les mêmes, tu vois. Donc c'est vrai que du deux coups, j'aurais bien aimé en avoir sur du 10mm. Vraiment. Je vais pas me plaindre, j'ai eu 3 pièces caméléon. J'ai eu du deux coups, comment dire, en comme ça et en comme ça, enfin en auto du coup, avec en plus des dégâts de radiation, et en non automatique, bonne praline, gros burst quoi. Tu t'en sers jamais. Ah si si si, c'est très souvent que je suis sur le lancémi, Ice. J'utilise plus le lancémi que le boom, hein, très honnêtement. Le boom c'est vraiment quand il y a des gros trucs que je veux one-shot. Genre des super mutants, des mecs en armure assistée, des artilleurs, des choses comme ça, des scorpions. Mais sinon, c'est toujours le lancémi que j'utilise vu qu'il tire beaucoup plus vite. Si tu veux, je m'emmerde pas quoi. On ne critique pas les cadeaux de la table. Non, mais je critique pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah c'est. Puis en plus, parce que j'ai beaucoup plus de munitions de 45 que de 50. Mais en fait le truc c'est que je suis content d'avoir du deux coups. C'est toujours sympa comme loot. Ah merde. J'étais pas camouflé. Allez, maintenant on trace la glace. Et on va à University Point. Avec les fins en jeu. On n'y est venu qu'une fois, je crois, ici dans le Stealth Project.
Ça vaut pas le Fat Man. Ouais, mais le Fat Man c'est pas très furtif non plus, quoi. Genre. Elle est où l'entrée d'University Point déjà? Y'a pas une entrée par l'extérieur ici? Il me semble que si, hein. Je dis peut-être de la merde là, mais. Ouais, il me semblait. Certainement là. Non mais à croire que non. Ok. Bon, ben on va rentrer par devant du coup. Quand tu parles de la conquête des pierres avec Nukawa, tu as oublié de l'équipement des colons et tes lance-missiles, Fatman. Ah oui. Ouais, ouais. Si t'as équipé tes colons comme des brutes et que tu viens les reconquérir en tant que pillard, putain. Mais le Fat Man de coup, bah il est chez le vendeur à Diamond City. Allez, il est 52. Écoutez, on va essayer de rincer très rapidement le truc. Et ensuite, ce sera la fin de cet épisode en espérant qu'il y ait un lit dans cet édifice. De toute façon, on a déjà fouillé ici. Je vois même pas le. Quoi ? J'aurais pu mourir là-dessus. Je confonds peut-être University Point avec autre chose là en fait. Hein. Ouais. Quoique non, il y a les œufs de fin jeu et tout le bordel, je suis pas sûr de confondre en fait. D'être efficace là. Mais je sais pas ce que j'ai branlé avec la mine là. Qui que vous soyez, je sais que vous êtes là. Ah, il est là lui. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait un lit en vrai. Là je rush un peu la mission parce que bah, elle retourne.
Sinon, en vrai, là, on va mettre une pause un peu plus longue parce qu'on va commander à manger avec ma chérie. Donc, bah, pour le stream, la pause sera un poil plus longue. Bah, pour YouTube, ça change rien. C'est-à-dire que l'épisode est fini. Mais. Attends, je peux pas faire plus là. Alors, c'est moins qu'il faut faire. Ah. C'est bon. J'ai envie d'aller récupérer mon loot avant de l'oublier. Je ne détecte plus aucune présence ennemie. Et je sais pas comment on y va en fait. C'est là non? C'est full bug ce truc. Vous voyez, t'es où le synthétique adoré? Je suis perdu. Là, on voit qu'il y a une porte. Ah, il y a un chasseur ici. Anomalie détectée sur mes capteurs. On avait déjà vu la première fois qu'on était venu. J'ai aucune idée d'où est le synthétique légendaire que j'ai tué. Je l'ai tué depuis ici, on est d'accord. Et puis, non, je sais même pas d'où, en fait. Je sais même pas par où j'étais quand je l'ai tiré dessus. Mais ça daille un peu là du coup. On va aller voir par là en descendant et puis on remontera mais... Si, ça devait être par là que j'ai tué. Ouais, il est là. Ok. Anti-mutant, fusil de combat. Bah les couilles. Bah les couilles. Un lit. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Voilà. Très bien, bah du coup, les Vivouxels de YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Il nous reste du coup certainement quelques synthétiques par-ci par-là et un chasseur qui semble sur le toit de l'édifice, ou à l'extérieur en tout cas. Je pense, on verra bien. C'est cool qu'on ait pu sauvegarder, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez suivre le reste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez vivre tout ça en direct, quand je stream, participer dans le chat et tout ça, venez sur les lives. C'est vous avez le lien vers ma chaîne Twitch dans la description, c'est là que ça se passe. Vous avez le lien vers le planning de mes streams et vous avez le lien vers mes réseaux sociaux où j'annonce quand je stream. Des bisous YouTube, à la prochaine, merci d'avoir regardé. Et voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit, à la prochaine, ciao.